Salut à tous, aujourd'hui, Disparu en ville de Lionel Camus aux éditions Amazon. Yeah. Pour cette vidéo, pas de K-pop, pas de monstre, pas d'étang. J'ai juste envie de me poser, car c'est le sentiment que j'ai eu avec ce livre. Ça doit être à peu près la quatrième ou la cinquième vidéo que je fais sur cet auteur, enfin sur ses ouvrages. Et vous savez ce que j'en pense, hein. C'est bien écrit, compréhensible, le top quoi. Rien à dire sur la technique d'écriture. Ce livre aborde 20 histoires vraies et mystérieuses de disparitions en ville, ou à des lieux à consonance publique, à forte fréquentation, comme les routes, les parcs, etc. Chaque histoire commence par des faits. Puis vient des commentaires et la conclusion. Les faits, la description de l'histoire avec les différents éléments. Et là, ce que j'ai aimé, c'est que c'était précis. Puis les commentaires et la conclusion tirée de différentes théories. Puis la théorie de l'auteur qui, je dois dire, se montre très pertinente. Je les trouve pertinentes car, pour une fois, fini les monstres, les extraterrestres, les fantômes. On cherche les preuves. Par exemple, le cas de Elisa et de Brandon sont appuyés par des vidéos YouTube ou alors des extraits audio de conversations téléphoniques. Monstres, fantômes, extraterrestres, même si l'auteur pourrait tomber dans cette facilité de conclusion un peu fantasque, rocambolesque, de l'imaginaire, Lionel Camus ne tombe pas dans cette facilité. Mais nous amène quand même à nous poser indirectement ces questions surnaturelles. C'est vraiment à nous de nous faire notre propre interprétation. En conclusion, ce livre nous amène à faire plus preuve de notre intellect que de notre imaginaire. Nous sommes plus dans la peau de détectives comme Sherlock Holmes que Fox Mulder. Et c'est ce qui rafraîchit, en mon sens, cette série de documentaires. Et c'est du très très bon. Je reste sur un sentiment de solitude et d'angoisse à la fin de ce livre. Quelque part, nous sommes en sûreté nulle part. Au final, c'est peut-être l'humanité qui est un monstre. Achetez-le, vous passerez un bon moment. Bonne lecture.